Bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux rendez-vous du japonisme et ce troisième cycle pour cette table ronde. Je suis Thomas Silverson, président de Sciencescope, et c'est un plaisir de co-organiser avec l'IFRJ, la Maison franco-japonaise et le lycée international français de Tokyo, c'est ce troisième cycle de ces journées du japonisme. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il m'est donnée, d'une part pour vous souhaiter la bonne année puisqu'on est encore en janvier, donc meilleurs vœux à tous. Et puis également présenter Sciencescope, qui est l'association des étudiants et chercheurs francophones au Japon. Nous organisons notamment beaucoup d'événements avec la Maison franco-japonaise. Donc, très succinctement, Sciencescope, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1993, qui a comme objectif de promouvoir les relations entre la communauté de chercheurs francophones et étudiants francophones au Japon, soit en diffusant de l'information, donc toute information pertinente pour faire de la recherche au Japon, typiquement relatif à des séminaires, des offres d'emploi, de bourses, etc., etc., soit par l'organisation d'événements de recherche, et notamment, par exemple, ceux d'aujourd'hui sur les rendez-vous du japonisme. Vous pouvez participer toujours à ces événements, et notre réseau, en fait, diffuse jusqu'à plusieurs centaines de personnes à travers tout le Japon. Et notre association s'organise notamment autour de ses adhérents et des membres de son bureau. Pas mal de membres actifs également, et puis surtout tous les participants. Donc, on invite toujours tous à participer aux événements qu'on organise, qui sont toujours organisés sans distinction de nationalité, autour de la francophonie. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos événements auront place toujours en français, mais il peut y avoir quelques exceptions. Mais surtout, dans toutes les disciplines, que ce soit aussi bien les sciences formelles que les sciences humaines. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça serait un événement en sciences humaines, mais ça peut nous arriver aussi parfois d'avoir des événements en sciences exactes, par exemple, mon domaine étant l'informatique, par exemple, etc., etc. Aussi, on aime regrouper des chercheurs et des étudiants de tout niveau, que ce soit les premières expériences de recherche au niveau master, au niveau du doctorat, des études postdoctorales ou des chercheurs confirmés, professeurs et directeurs de recherche. Et donc, la plupart de nos événements sont organisés étroitement avec non seulement l'IFRJ de la Maison franco-japonaise, mais aussi l'ambassade de France au Japon et l'Institut français au Japon, également le CNRS. Et puis, on collabore aussi assez étroitement avec d'autres associations de chercheurs européens, notamment des associations italiennes, allemandes et espagnoles, et puis également, une certaine mesure, avec Euraccess. Et donc, les événements qu'on organise sont des événements qui sont grand public et ouverts à tous, aussi bien la communauté de chercheurs que toute personne curieuse d'y participer. Ils sont toujours libres et gratuits pour tous, et donc francophones, même si on peut s'autoriser parfois des présentations en anglais pour permettre aux intervenants qui ne sont pas francophones de participer à ces événements. Donc, principalement, on organise deux événements qui sont la Journée francophone de la recherche et les rencontres des chercheurs francophones du Kansai, puisqu'on essaie d'avoir une présence pas seulement à Tokyo, et puis d'autres événements comme aujourd'hui, que sont ces rendez-vous du japonisme. J'aurais aussi évoqué le fait que les membres actifs et le bureau de Sciencescope, même si pour cette année on est principalement à Tokyo, on essaye aussi d'être présent dans de nombreuses autres villes du Japon. Vous pouvez voir que par exemple à Kyoto, on a aussi des membres actifs. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous en connaissez directement certains. N'hésitez pas à les contacter, quelle que soit la ville où vous résidez au Japon, pour pouvoir être mis en relation, en contact. Et on serait ravis de, et pourquoi pas, prévoir aussi, organiser des événements avec vous. Alors, très récemment, l'année dernière, en septembre, on a organisé ces rencontres des chercheurs francophones du Kansai, hein, puisque dans le Kansai également, il y a énormément d'universités et de chercheurs. Ces journées ont été organisées avec Kyoto Seika University. Et puis, ils auraient dû avoir lieu dans l'université. Et puis, bien sûr, ils ont eu lieu en ligne en raison de la situation pandémique. Et notamment, au-delà de présentations de chercheurs, on a eu une table ronde avec des partenaires de l'Institut français du Japon au Kansai, de la Villa Kojoyama, par exemple. Et puis encore plus récemment, en fin d'année dernière, en décembre dernier, on a organisé les 25e journées francophones de la recherche, qui traditionnellement
sont organisées au sein de la MFJ, dans l'auditorium de la Maison franco-japonaise, organisées directement avec l'ambassade de France et l'IFRJ et le CNRS. Et puis donc, bien sûr, cette année, nos événements étaient pas mal impactés par la crise pandémique et puis l'événement a eu lieu en ligne. Je précise aussi qu'on accueille à cette occasion-là des élèves du lycée français international de Tokyo. Et puis donc, vous pouvez vous connecter sur le web et récupérer les communications de ces journées-là. Et puis donc, depuis 3 ans, on a le plaisir de co-organiser ces tables rondes autour du japonisme, dont la première avait eu lieu à peu près à la même période de l'année en 2020. Et puis, de proche en proche, l'année dernière, malheureusement en ligne encore, même si on pensait que ce serait la dernière fois, jusqu'à cette édition de cette année. Encore malheureusement en ligne, mais on est quand même ravis de tous vous accueillir aujourd'hui. Et puis la journée va s'articuler autour de ce programme-là et je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Gilles Malstaki, qui est membre du bureau de Sciences-Co.P et principal organisateur de cette journée pour vous présenter en détail le programme de cette journée. Merci de vous être joint à nous pour cette édition 2022 des rendez-vous du japonisme. Le programme va bientôt commencer avec la communication de Christian Polack sur Félix Régamey et Georges Bicot, peintre. Mais en réalité, Christian Polack évoquera également d'autres artistes français. Ensuite, Kiyoko Sawatari présentera Paul Jacoulet en dehors du Japon, itinéraire d'un japoniste hors du Japon. C'est le thème de ce soir, les artistes japonistes qui sont intéressés à d'autres pays, d'Asie orientale notamment, mais aussi la Micronésie dans le cas de Paul Jacoulet. On parlera également d'artistes d'Asie de l'Est qui, eux, ont été attirés par la France, y ont séjourné et y ont créé. Sawatari Kiyoko intervient une seconde fois pour présenter son catalogue raisonné des œuvres de Paul Jacoulet. C'est l'occasion de faire une dernière synthèse des recherches sur cet artiste. Ensuite, on enchaîne avec Viviane Lebert, qui nous parlera de Berthalum, très connue comme artiste américaine, japoniste, mais qui a vécu longtemps en Chine et qui a également une œuvre chinoise dont Madame Lebert va nous parler. Et on terminera avec Yu Yue, qui depuis Paris va nous parler justement de la ville lumière des années folles, où Yuegi, Hasegawa Noboru et Pa Yonsong ont créé et exposé. Comme l'a annoncé tout à l'heure Gilles, j'avais l'intention de vous parler uniquement de Georges Bigot et de Félix Régamey. Mais finalement, en revoyant un petit peu tous les travaux que j'ai effectués depuis de nombreuses années, je m'aperçois qu'il serait bon aussi de vous citer les principaux artistes français qui ont soit vécu au Japon, ou bien ont voyagé au Japon ou sont passés plusieurs fois au Japon en tant que, avec des missions qu'ils ont eues dans leurs activités professionnelles. Et donc, j'ai fait un petit récapitulatif des voyageurs et je voulais, juste un instant, j'essaie de. Voilà. Donc, le premier artiste dont je parlerai, il s'agit d'Alfred Roussin, ensuite de Henri Zuber, ensuite de Jules Brunet, ensuite d'Abel Guérineau, de Félix Régamey, bien sûr, de Georges Bigot, de Louis Dumoulin. Je ne parlerai pas de Paul Jacoulet puisque Madame Sawatari en parlera et je terminerai sur une note sur Noël Nouette. Donc, ce sont des artistes, c'est un choix, disons, subjectif, mais c'est surtout fondé sur l'importance de leur activité, puisque presque tous ont été publiés aussi dans la presse. Donc, on a des voyageurs et des résidents au Japon. Nous avons
4 résidents de long, entre 5 et 20 ans. Nous avons Abel Guérineau qui, lui, est resté 4 ans, de 1875 à 1880. Nous avons Georges Bigot de 1882 à 1899. Paul Jacoulet, lui, pratiquement toute sa vie. Et Noël Nouette aussi, une bonne partie de 1926 à 1961. Puis nous avons deux marins de la marine, donc Henri Zuber et Alfred Roussin. Nous avons deux militaires de l'armée de terre, Jules Brunet, Abel Guérineau, et enfin deux voyageurs, Félix Régamé et Louis Dumoulin. Commençons par Alfred Roussin. Alfred Roussin donc est un marin. Et vous, comme de nombreux marins, nous trouvons de nombreux artistes. Et ici, vous voyez une première esquisse au fusain. C'est à Shimonoseki. Nous avons ensuite, il a participé en 1863 à la guerre, qu'on appelle la guerre de Shimonoseki, donc il avait fait ses aquarelles, et en même temps, elles ont été publiées dans Le Monde illustré, donc un hebdomadaire français. Là, ici, c'est encore la ville de Shimonoseki. Un dessin extrêmement rare sur le château de Takamatsu, puisqu'ils ont traversé la mer intérieure, et bien sûr, cette gravure qui a été reprise dans cette fois-ci le Tour du Monde. Il a donc fait de nombreuses aquarelles, plus d'une centaine. Ici, c'est le fameux Gankilo, l'hôtel de réconfort pour les étrangers de Yokohama. Ici, c'est la base militaire et les casernes françaises de Yokohama. Il a fait des portraits qui ont été repris aussi dans Le Monde illustré ou dans Le Tour du Monde. On le voit ici, donc Le Tour du Monde et donc dans Le Monde illustré où il a été le correspondant de ce journal pendant son séjour en Asie de 1862 à 1870. Une fameuse aussi gravure parue dans Le Monde illustré, c'est l'empereur Meiji qui arrive à Edo. Et vous connaissez tous bien sûr le Japon illustré d'Aimé Humbert, et la plupart des illustrations sont d'Alfred Roussin. Donc, il a été très actif pendant une quinzaine d'années sur le Japon. Il a fait bien sûr ses portraits les derniers portraits de guerriers qu'il a vus donc dans la guerre de Shimonoseki en 1863, puis ensuite en 1864. Il a fait de magnifiques paysages. Ici, on voit donc le mont Fuji depuis Enoshima, ou bien des dessins aussi sur les villages japonais autour de Yokohama. Il a voyagé bien sûr à Shanghai et bien sûr aussi en Chine à Pékin. Donc retenez Alfred Roussin, tous ses dessins et ses aquarelles sont conservés au service historique de la défense à Vincennes, à la bibliothèque des archives de l'armée de terre. C'est un album assez important où vous avez une centaine d'aquarelles et de dessins sur le Japon, une centaine aussi d'aquarelles et de dessins sur la Chine. Voilà pour Alfred Roussin. Retenez qu'il a été aussi un correspondant de presse. Le deuxième marin, si on peut dire, il s'agit d'Henri Zuber. Alors, Henri Zuber, je n'ai retrouvé jusqu'à présent que ce dessin de la résidence, de la légation française de Yokohama. C'est une photo de ce dessin qui était possédé par Léon Roche. On voit que Léon Roche a signé. Et donc, on voit la signature d'Henri Zuber. Alors, Henri Zuber est revenu plusieurs fois au Japon
Il a fait de nombreuses aquarelles et de nombreux dessins, et je suis à sa recherche de ces dessins, sachant qu'il a quitté la marine en 1870 pour devenir un, pour vivre, si vous voulez, sa vie d'artiste, et il est devenu un artiste paysagiste dont ses œuvres sont principalement conservées, puisque c'est un Alsacien, au musée de Strasbourg. Et à Strasbourg également, il y a le fonds Henri Zuber, où il devrait bien sûr y avoir ses aquarelles et ses dessins sur le Japon que je recherche depuis de nombreuses années. Le deuxième militaire de l'armée le premier militaire de l'armée de terre, c'est Jules Brunet. Vous connaissez tous Jules Brunet. Il a été aussi correspondant du Monde illustré. Et lui, il a vécu au Japon juste 2 ans, de 1867 à 1869. Et il a participé à la dernière résistance des partisans du shogun à Hakodate, la fameuse guerre de Hakodate avec la République de Hakodate, dont je parle dans mes écrits, surtout dans Soie et Lumière. Il a fait des portraits du dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, que l'on voit ici. Il a fait des portraits de japonaises. Ici, en vérité, c'est son épouse japonaise, Tomi. Il a fait aussi ses aquarelles sur des paysages japonais. Ici, c'est le sanctuaire de Shiogama, près de Sendai, ou bien ici, près de Tokyo. Donc, lui a été actif au Japon pendant 2 ans, mais nous n'avons pas retrouvé encore d'autres aquarelles ou dessins. Les dessins et aquarelles sont conservés par ses descendants à Paris. Et enfin, un autre militaire, Abel Guérineau. Alors, Abel Guérineau, lui, a été professeur de dessin à l'école militaire fondée par les Français en 1875. Donc, il était professeur de 1875 à 1880. Et donc, il a fait de nombreuses aquarelles. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait les premières estampes sur bois. Et vous voyez en bas sa signature, A.G. Abel Guérineau. C'est assez intéressant parce que c'est une grande découverte que ces estampes sur bois. Donc, c'est un précurseur par rapport à Paul Jacoulet et par rapport à Noël Nouette en tant qu'artiste français au Japon. Donc, il restera près de 5 ans au Japon et il a fait. Je suis à sa recherche puisque j'ai découvert ces estampes il y a 2 ans dans un album de photos et qui était collé. Et donc, il a dû en faire beaucoup d'autres. Donc, je suis à la recherche, ou s'il y a des chercheurs qui sont intéressés par ce sujet, je serais très heureux de les aider dans cet objet. Voilà encore d'autres aquarelles. Ce sont des estampes sur bois. Là aussi également. Donc, on voit ici une autre signature, Abel Guérineau. Et là, alors ici, ce n'est pas une aquarelle sur bois, c'est une estampe sur cuivre. Donc, il est le précurseur aussi de Georges Bigot, qui lui aussi va faire de nombreuses œuvres sur cuivre. Il est rentré en France et il a publié un livre remarquable qui a joué un rôle important dans le japonisme, Les ornements japonais, où vous avez plus de 100 planches où il répertorie tous les ornements japonais qu'il a pu rencontrer.
Je vous en donne un petit aperçu. Voilà pour Abel Guérino. C'est un peintre qui n'a pas eu l'occasion qui n'a pas été l'objet de recherches par des étudiants. Et il serait vraiment intéressant que les étudiants se penchent sur l'œuvre d'Abel Guérino. Vous reconnaissez tous ici, bien sûr, Félix Régamet, qui lui est passé en voyage. Il était le compagnon d'Émile Guimet en 1876, mais avant, il était déjà versé dans le japonisme puisqu'il faisait des reproductions d'œuvres de Hiroshige, comme ici. On le voit ici debout avec sa canne, et Émile Guimet est là pendant leur voyage du mois d'août 1876 jusqu'à la fin de cette année-là. Il a rencontré un très célèbre peintre japonais, Kawabe Kyosai, et il en a fait le portrait, et Kawabe Kyosai en a fait aussi le portrait ici à droite de Régamé. Régamé a joué un rôle important aussi dans le japonisme, puisque avec Émile Guimet, ils ont publié Promenade japonaise, le texte étant d'Émile Guimet et les dessins de Félix Régamé, publié en 1878 d'abord, avec de magnifiques reproductions. Ici, on voit une mère japonaise avec son bébé dans le dos. C'est un thème que l'on retrouve beaucoup chez les voyageurs ou chez les artistes français. Donc, la maman avec son bébé dans le dos. Voilà donc le livre Promenade japonaise. Puis, ils ont publié également Tokyo Nikko, avec ici la Vénus de Enoshima, un dessin, ou bien à Kyoto, où il a fait aussi des huiles, qui ont été exposées à l'exposition universelle de Paris de 1878, comme ici cette immense toile, qui ont été exposées il y a très peu de temps au musée Guimet, où il y a eu une exposition rétrospective des œuvres de Félix Régamet. Il a publié donc Japon pratique, un espèce de guide sur les professions industrielles et commerciales du Japon, avec aussi tout l'artisanat. Pour le grand public et pour les enfants, il a publié Le Japon en images, ou bien un magnifique, énorme livre, Le Japon, avec plus de 200 illustrations. Il a publié Okoma également, que vous connaissez tous, je passe rapidement. Il a participé à La Plume, notamment sous le grand article sur l'art et la femme au Japon, le cahier rose de Madame Chrysanthème, qui est une réplique au livre de Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Et donc, on voit ici un portrait de Madame Chrysanthème par Félix Régamet, ou Kikusan. Il a participé à de nombreuses activités théâtrales également. Et puis, il a été l'un des grands supporters de la Société franco-japonaise de Paris, qui réunissait tous les anciens du Japon. Il en était secrétaire général jusqu'en 1905 à sa mort. Voilà pour Félix Régamet, c'est un artiste aussi important. Et puis nous passons à Louis Dumoulin aussi, encore là, un artiste qui est un voyageur au Japon, qui a voyagé principalement en 1886. Il est revenu une deuxième fois, un petit peu comme Félix Régamet, qui est revenu en 1898. Et Dumoulin, donc, ce sont des missions du ministère de l'Éducation nationale. Et lui, Dumoulin, est venu au Japon en 1886 et il a fait de nombreux tableaux sur huile et des aquarelles.
Ici, on voit cette aquarelle assez jolie à Yokohama avec le pont. Il est allé à Nikko avec Georges Bigot. Là, c'est une des grandes fêtes de Nikko. Et puis là aussi, c'est près de Nikko. Mais ce qui est intéressant, c'est ici en bas à gauche, vous avez son sceau en japonais, vous voyez. Et on peut lire du moulin. Du moulin. C'est pour cela que je montre cette photographie, parce qu'il était aussi photographe. Il a fait de nombreuses photos. Donc, c'est un artiste peintre, mais aussi un artiste photographe. Et la collection des photos de Louis Dumoulin est conservée au musée de Nice. Et elle a été peu utilisée encore dans les recherches. Et je conseille là aussi aux jeunes chercheurs de se pencher sur l'œuvre picturale et l'œuvre photographique de Louis Dumoulin. Nous arrivons à, bien sûr, un personnage que tout le monde connaît. Il s'agit de Georges Bigot. Georges Bigot à droite à son arrivée, quand il était tout jeune, en 1882. Et à droite, donc Georges Bigot en train de peindre de la main gauche, parce qu'il était gaucher. Il a étudié avec Félix Buot la gravure sur cuivre, et il en a fait, dès qu'il est arrivé au Japon, de magnifiques albums, dans le style aussi un petit peu comme on le voit là de Hiroshige, l'album Mata, l'album Asa, un album d'eau forte aussi en 1889, assez connu. Ici, le portrait de son épouse japonaise, Sano, un très beau portrait. Et aussi, il a fait de nombreuses aquarelles. Vous voyez que le thème de la maman avec le bébé dans le dos revient aussi chez Georges Bigot, comme on l'a vu tout à l'heure chez Félix Régamet. Voici quelques aquarelles, donc Kojimachi, la fête de Nikko, puisque c'est Georges Bigot qui a amené Louis Dumoulin à Nikko pour cette fête. Voilà, il a fait des peintures au fusain ici, le mont Fuji, ou bien des peintures à l'huile ici, sur les pêcheurs de Atami. Vous connaissez tous son journal satirique Tobae. Ici, lui se représente en Pierrot. Et puis, la fameuse, bien sûr, célèbre caricature sur la pêche à la Corée entre la Chine et le Japon. Et bien sûr, la Russie regardant la partie de pêche. Il a été correspondant de guerre également pour Le Monde Illustré. Là, ici, ce n'est pas un reportage sur la guerre sino-japonaise, mais sur le tremblement de terre de Gifu en 1891. Il a voyagé en Russie. On voit ici ces croquis qu'il a fait en Sibérie. Ici, l'armée russe. Ici encore un autre croquis, donc on voit c'est signé, donc il a voyagé en Sibérie en 1893 depuis Vladivostok jusqu'à Khabarovsk. Il a voyagé également en Corée. Alors là, il était double correspondant en vérité. Il était pendant la guerre sino-japonaise, il a été correspondant du Monde Illustré et en même temps de l'hebdomadaire britannique The Graphic, et on voit ici des représentations de sujets coréens. Il rentre en France et on le voit ici un peu triste. Il a dû quitter le Japon en 1899 et son visa n'a pas été renouvelé. Il était considéré comme une personne non grata avec les caricatures anti-gouvernementales qu'il faisait dans ses albums ou bien dans ses revues comme Le Potin de Yokohama ou La vie en rose. À Paris, et donc en 1899, il rentre à Paris, il se met immédiatement au travail et participe aussi
à l'élaboration de la communication pour l'exposition universelle de Paris de 1900 et ici pour le pavillon japonais. Donc, il réalise une très belle affiche. Il participe aussi au japonisme pour les jeunes en éditant des images d'Épinal, et ici le Bouddha guérisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il signe, vous voyez, comme toujours, je le signale, Shidali Kiki. Comme il avait l'accent de Tokyo, donc de Edoben, il n'arrivait pas à prononcer le Hidali, le H aspiré, et les Edoko prononcent Shidali au lieu de Hidali. Donc il signe Hidali Kiki. Il a fait aussi des menus pour la fameuse eau minérale Badois. Et il a fait aussi une chose assez intéressante. En 1905, Pierre Loti lui demande d'illustrer l'un de ses derniers livres, Les derniers jours de Pékin. Donc, il envoie une lettre en 1905 à l'éditeur. Et donc, il a illustré de près de 55 aquarelles sur le livre même, et qui devait servir ensuite de modèle pour une grande diffusion. Mais ce projet n'a pas été réalisé, comme d'ailleurs il le fera en 1925. Il a, disons que l'éditeur de ce livre de Kikuyamata, Masako. Kikuyamata a demandé à Georges Bigot d'illustrer ce livre pour ensuite le publier, mais non plus l'éditeur n'a pas accepté parce que ça revenait trop cher. Il a participé aussi à des campagnes de publicité pour les établissements Cotreau qui deviendront Peugeot. Excusez-moi, Citroën. La vie en rose également, donc il a participé, ou bien comme nous sommes encore proches du Nouvel An, pour l'illustration, il a composé de nombreuses images, ici les salutations du Nouvel An, pour le Petit Parisien également, pour le Journal des Voyages, pour même le Bon Marché, avec une publicité sur la semaine japonaise. Pour les calendriers. Il a même fait une série de 12 assiettes assez extraordinaires, où on voit ici la pêche avec le père et le fils sur les bords de la Sumidagawa. Il a réalisé aussi des huiles en étant rentré en France sur les dessins qu'il avait ramenés. Et on voit ici, cette huile est reprise un petit peu sur une assiette. Il a également publié des dessins sur le Japon. Ce sont des ornements, un petit peu dans le style de Abel Guérino. Les motifs, les ornements japonais. Et puis, l'une des plus belles toiles, j'estime, de Georges Bigot, et vous voyez, c'est une nature morte avec un chamisen, mais une magnifique. C'est un tableau de 80 cm de large sur 55 cm de hauteur. Et puis enfin, je voulais juste aborder Noël Nouette, que tout le monde connaît également, puisqu'il a été l'un des grands souteneurs aussi de la maison franco-japonaise. C'est l'autre Hiroshige. Il a été influencé par ce grand artiste japonais, et il a fait ce qu'on appelle des estampes sur bois, des estampes japonaises. Et l'une, pour lui, c'est l'estampe qu'il préfère, où on a le passé, c'est-à-dire la tradition avec les remparts du château de Edo et le nouveau Tokyo avec les immeubles modernes.
Le pont de Nihonbashi, qui est une réplique un petit peu de l'œuvre de Hiroshige, dans les temps modernes, bien sûr. Et ici, on voit le pont de. Avec la cathédrale orthodoxe ici, et la maison franco-japonaise n'était pas loin à l'époque là. Et voilà le genre d'estampes qu'il a réalisé, les estampes de nuit aussi, et donc il a été aussi l'un des inspirateurs du grand Hasui qui était actuellement très recherché dans le monde entier en tant qu'artiste japonais. Je passe assez rapidement. Là ici, c'est le lac de Chuzenji, à Nikko. Il a publié, avec la maison franco-japonaise, de nombreux livres de sketch au stylo, encre, au stylo encre. Et donc, il en a dédicacé un même à Paul Jaculé, puisqu'il se connaissait. Voilà un petit peu tous ses ouvrages. Et donc, il a été très actif. Ici, après la guerre, de nombreuses aussi cartes postales. Ici, un jeu de cartes postales qui est dédié au célèbre professeur Hochkorn. Et son dernier livre, L'histoire de Tokyo, qui est l'un des plus beaux livres sur Tokyo publié par la Maison franco-japonaise. Et je recommanderais à ce que la Maison franco-japonaise fasse une réédition de ce chef-d'œuvre. Je vous remercie de votre attention. 今日は、アジアとミクロネシアにおけるポール・ジャックレーあるジャポニストの日本国外での足跡ということでジャックレーはずっと日本で活動をしましたけれども日本以外の地域で制作された作品をご紹介したいと思います。ジャクレーのことをご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に、なぜ彼が日本に来たのかということもお話ししたいと思います。ポール・ジャクレーは、1896年にパリで生まれましたが、3歳の時に、日本にやってきました。その父親フレデリックが現在の一橋大学と東京外国語大学のフランス語の教官として招かれたためです。この写真のようにまだ人力車が使われていたり母親のジャンヌはロングドレスに身を包んでいますし幼いポールもまるでルノワールの絵に出てくるような女の子の格好をしています。4歳頃の写真です。そしてそのポール・ジャクレーは日本の小学校そして中学校へと進んでいくんですが幼い頃から絵を描くことが大変好きでして病弱であったこともあって多くの優れた家庭教師から数々の習い事をしています。で、日本語も英語もフランス語も学び、あるいはバイオリンですとか、舞踊、そして乗馬などまで家庭教師について多くのことを学んでいます。で、彼が11歳、1907年の年になるんですが、父親のフレデリックに連れられて、生涯にたった一度だけ母国フランスへと帰国しています。すでにシベリア鉄道が開通していました。で、そのフランスでクールベとかミレー、あるいは、マティス、ゴーギャンといったその当時の画家たちの作品に接しているわけです。で、ちょうど同じ頃ですね、白馬海洋画研究所で、黒田清輝、で、後には、久米慶一郎、に指示をして油絵とかパステルといった、西洋画の技法を学びます。ただその後もうすぐにこれは13歳頃のことなんですけれども日本画の世界で鏑木清方の美人画をご存知の方は多いかと思いますがその鏑木清方の兄弟弟子にあたる池田照方と松園という日本画のご夫妻ですね、2人ともが日本画家でした、について日本画の技法を学び始めました。
で、このご夫妻のもとで、あの浮世絵の模写などをはじめとして、日本の筆を使って、あのまるで肉質浮世絵といったような、まあ、作品を数多くあの発表をし、制作をして、かなり新聞でも取り上げられるようになるほど、あの有名になっていきます。で、この写真は1919年、ジャクレーが23歳の時に、まあ、朝日新聞で取り上げられたあのものなんですけれども、着物を着たそのジャクレーの後ろに、何点か の、 あの肉質浮世絵日本画の作品が見えます。右手の方はあの歌舞伎に、まあ、取材をしたスケロクという作品で、まあ、生涯彼 の、 あの自宅にかけられていたものです。まあ、こんな風にあの着物を着て、しかも膝の上にはあのその頃彼が熱中していた義太夫の、まあ、歌い本があの膝の上に置かれています。まあ、かなりあの日本画の世界でも認められていたんですが、1923年に、まあ、関東大震災が起こりまして、かなりそれまでの環境があの激変しますし、本格的に、まあ、画家としてあの踏み出そうという決意をジャクレーはしていくようになりました。そして、1927年からは、それまでの、まあ、日本画をもうほとんど捨てて水彩画をもっぱら描くようになります。で、その水彩画を描き始めてから、2年後1929年に初めて、まあ、ジャクレーは南洋群島、まあ、その頃あの日本の支配下に置かれておりました、南洋諸島へと旅立ちました。まあ、今日ご紹介するのはあの南洋諸島ミクロネシア地域だけではなくて、やはりその頃日本の植民地となっていた、朝鮮あるいはまた満州の、 あの主題のものもご紹介しますけれども、ちょっとこの地図を見ていただけますと、ここが日本ですね。そしてこちらがミクロネシア、まあ、現在ミクロネシアと呼ばれているマリアナ諸島とかマーシャル諸島とか、そういったものをあの含んだ地域です。まあ、ジャクレーは実はこの、現在のインドネシアのセレベス島にあるメナドにも足を伸ばしています。で、こちらの地図航路図は、ポラックさんからあの提供を受けたものなんですけれども、ここに示されていますように、すでに日本郵船の、まあ、南洋航路があの1910年代の後半からあのもう通っておりまして、これは1935年の航路図ですけれども、もう横浜からあのサイパン島とか、まあ、グアム島あるいはグアムじゃなくてヤップ島ですね、まあ、こういった島々にあの船で渡ることができました。では最初にまずその、まあ、現在私たちは南洋諸島と言ってますけれども、その頃はまあ日本 の、 あの第一次世界大戦後、日本の新作統治領となっていた場所で南洋群島と呼ばれていました。で、ジャクレーは1929年から30年、31年、32年、少なくともあの裏付けが取れているのがこの4年間なんですけれども、その32年まで毎年、まあ、春から夏にかけて の、 あの数ヶ月を南洋であの過ごしていました。で、その間にも多くのスケッチをしたわけです。で、まあ、先ほどの地図で見ていただきましたように、まあ、日本郵船の定期航路を使って、サイパン、ヤップ、トラック、ヤルートといったような島々を巡り、インドネシアのセレベス島にも足を伸ばしました。で、そこでどんなふうな作品が作られたかといいますと、1929年、まあ、最初のあの南洋行きの時に描かれた作水彩画ですが、ネデリック氏と孫娘リヴァン、トラック島という作品です。で、このネデリック氏、ピエール・ネデリック氏というのはあのトラック島に住む、フランス人でして、あの南洋でコプラ貿易をしておりました。で、その息子さんを東京に、まあ、留学させていたということで、その息子さんとそれからジャクレーとの出会いがきっかけとなって、あのジャクレーはこの南洋への旅に出ます。
まあ、経済的にはもっぱら母親からの援助に頼っていましたけれども、まあ、この南洋への旅が、まあ、その後浮世絵師として立つ寂玲の、まあ、大きなきっかけとなっていきます。でこちらはトラクト・トロアスという場所での鳥と少年、これも水彩画ですね。そして、虹を背景にして立つ折れ合いの男、サイパン島の方です。で、まあ、このほとんど裸体で過ごしながらも体全体に特徴的な入れ墨を入れているという、まあ、そういった入れ墨ですとか、あるいは身につけた装身具、あるいは手に持っているカゴといったように、まあ、それぞれの地域の風俗ですとか、まあ、装身具といったようなものもきっちりと書き込んでいます。こちらはヤップ島の男チェンですね。こちらも足にグログロとした入れ墨を入れています。でこれは1933年という年号が作品にはついているんですけれども、かなり多くの、まあ、スケッチを現地でした上で、日本に帰ってきてからそれを完成させるといったこともありましたので、まあ、こうした南洋旅行の後の年号がついている水彩画も数多くあります。こちらは1930年サイパン島の、サブラン家という、まあ、現地ではかなり有力な方 の、 お宅で撮られた記念写真です。ここに寂玲がいますね。でこちらが多分当主 の、 グレゴリオ・サブランという方です。で、まあ、サブランさんはスペイン人の宣教師とそれからチャモロの、まあ、原住民の女性との間で生まれた方でして、英語とかドイツ語とか、まあ、スペイン語あるいは日本語までを理解する方でしたので、かなり、まあ、サイパンに置かれた日本の機関とも親しくしておりまして、現地の有力な人物でした。まあ、この方が寂玲の、まあ、政策とかあるいはさまざまな生活上の便宜の点でも大きなサポーターになっていたかと思われます。でここにお嬢さんの姿がありますけれども、そのお嬢さんの一人リタ・サブラン嬢の肖像という作品も描いています。まあ、これは水彩画をもとに、後に木版画になった作品です。そして長いこと、まあ、1927年から始まった水彩画を描き続けていたわけですけれども、南洋諸島への、まあ、旅行中のスケッチなどを通して、かなりの数の、水彩画が、積み上がった時に、彼はもともともう子どもの頃から少年の頃から浮世絵のコレクターでもありましたので、周囲に数多く の、 浮世絵の関係者もいたわけですね、専門家が。そしてその当時東京大学で、浮世絵を講じるようになった藤掛静也という、まあ、教授に強く勧められて、1933年に、まあ、自宅に表札をかけたわけですけれども、寂玲版画研究所を設立します。そしてその翌年に、木版画の第一作として発表されたのがこの作品、サイパンの娘とハイビスカスの花、マリアナ諸島という、まあ、作品です。でその後もですね、こちらは、ポナペ島のメタラニウムの州という、まあ、この銀色の雨が広重の、まあ、風景画などもやはり研究したり参考にしているのかなというような、そういった影響関係も見られます。あるいは、ヤップ島トミルの女性を、まあ、時計の花を拡大して本当に手のひらに乗るぐらいの小さな花なんですけれども、それを大きく拡大して背景に描いています。1940年になりますとオロール島の少年、まあ、俗名俗のタイトルを黄色い目の少年というふうにつけられていますけれども、まあ、こういった数少ない色彩、鮮烈な色彩を使って非常にインパクトの強い作品も発表しています。あるいはこうしたトラック島の夜の花ということで、真っ暗闇の深い闇の中に、
大きな蜘蛛の巣が張っているというような作品もありますし、一定の地名をつけないで、ただ単に超南洋というふうに、わざと島の名前などを入れていない、島の名前を入れていない作品もあります。この場合にはですね、この蝶、まあ、美しい蝶が描けているんですけれども、これは必ずしも専門家に見ていただきますと、南洋だけのものには限らず、他の地域のもの、例えばそのブラジルであるとか、まあ、台湾とか、さまざまな地域の蝶を若齢は、コレクションをしておりましたので、そういったものが入っているということです。この写真は戦後の写真なんですけれども、まあ、若齢が自分の蝶のコレクション、蝶の標本を、まあ、きれいにカテゴリー別に分けて、きちんと整理していたという、まあ、ある人に言わせるとコレクターというよりはもう学者というような感じでしたという証言も残っています。もう数にするとおよそ3万点の蝶をコレクションしまして、その後半分ほどが大阪の、自然史博物館の方に収蔵されました。そして戦後になっても基本的にこうした南洋諸島の人々をモチーフにした作品が作られていったわけですが、左側の1958年オウムガイヤップ島という作品は慶ブランリー美術館での、ま、展覧会の際にもポスターとして、ま、使われた図版ですが、しかしこの右側の水彩画を見ていただきたいんですが、この木版画の構想というか準備デッサンはもうそれよりも20年以上も前、25年前の1933年にこんな風にして描かれていたということで、比較をしていただきたいと思います。モノトーンの背景ではなくて、そこに明るい南洋らしい背景を、風景を組み合わせた作品になったわけです。で、次は朝鮮、まあ、現在の韓国ですね、戦後は韓国という名前になりますが、朝鮮についてお話ししたいと思います。こちらも日清日露戦争後の、まあ、1910年に、日韓併合が行われまして、朝鮮は日本の植民地になりました。そして父親のフレデリックが、まあ、第一次世界大戦に従軍をして、まあ、そこで の毒ガスが原因となって、1921年には病没しています。で、その後日本人医師と再婚した母親が、ソウルに定住していましたので、1930年以降ポールも母親を訪ねてしばしばソウルに足を運んでいます。そして、まあ、母はご主、夫がですね、慶應大学の教授であったということもありまして、まあ、多くの使用人を家で使っていたわけですけれども、そういう使用人がモデルを務めたという作品もあります。こちらは水彩画で、椅子に座る友人ソウルですね。そしてこちら木版画、清掃する朝鮮の子供、あるいは老若男女すべてを描くということで、ジャクラの木版画にはしばしば老人の姿が描かれますし、あるいは古事記の食事といった、まあ、他の同時代の新版画の画家たちもまず描かなかったようなテーマも描いています。まあ、この古事記の少年たちが非常に、まあ、明るい雰囲気であることとか、この背景がグレーのきらずりになっているということで、モチーフは古事記の食事であっても、材料、素材という点から見たら豪華な作品なんですね。で、あるいは、雪の夜朝鮮、そして、戦後もですね、左側は平常というふうに書いてありますので、朝鮮戦争によって、まあ、北朝鮮となった場所の名前がここには記されていますが、実際にこの3人の女性たちのモデルを務めた人たちは女性の名前まで分かっていますので、ジャクレが必ずしもその北朝鮮に足を運んだということではありません。なお、この
コンポジションですね、構図については、歌麿の東星三美人のような作品と比較すると面白いかと思います。で最後に中国なんですけれど、まあ、これは若齢作品においては、まあ、戦前の満州に相当すると考えていただいた方がいいかと思います。若齢は1937年の満州事変によって、まあ、日本が建国した、傀儡政権である満州ですね、満州国には鉄道も敷かれて、数多くの、まあ、日本人が一旗あげようと思って、まあ、満州に行き働いてたわけですけれども、若齢自身がいつその満州に行ったのかっていう、まあ、正確な裏付けは実は取れていません。で1934年の5月に満州国に、まあ、投資をしようとして、まあ、日本を旅行中だった、まあ、フランス人の、まあ、男爵という、マルセル・バイアンという人の通訳として雇われたということはちょっとある、資料に出てくるんですけれども、この34年の6月には先ほどお見せしましたサイパンの娘とハイビスカスの花という、まあ、最初の木版画を刊行している時期ですので、ちょっとそれが本当なのかどうかっていうのはまだ検討の余地があります。まあ、この中国人をモデルとしたという作品、水彩画としてはみかんの皿を持つ中国人コック、この場合もソウルというふうに書いてありますので、これはおそらく、まあ、ソウルに住んでいた、若齢の母親の家で働いていた中国人のコックさんをモデルにした作品ということができます。でおそらくこの青年がこの面売り中国人のモデルになったかと思われます。中国をモチーフにしたシリーズとしては翡翠という、まあ、大変人気のある作品も生まれていますし、戦争がもう太平戦争が始まった後ですけれども、1942年に、満州宮廷の王女たちという、まあ、5点セットのシリーズを若齢は大変な、まあ、力を込めて発表しています。まずその色の数が、まあ、パッと見ても色の数が多いということは、つまり刷度数何回も刷っているというその数がですね、もう200度数とか、まあ、普通は新版画の画家たちの作品とか江戸のようなものでも最大でも30度とか50度刷りなので、ここでその200度以上の刷りを重ねてるというのは技術的にも驚異的なことなんですね。で一方こう戦後の1950年に発表された真珠満州、これがもう最大の刷り度数でして300度刷りを行っています。まあ、この女性が前に広げている、まあ、ピンク色のヴェールですね、この透明感というのが若齢版画の大きな特色にもなっています。でこれも実は、1911年ですので若齢まだ若干15歳の頃に、歌麿の模写を行っておりまして、青楼美人花合わせのこの2人の女性たちも同じようなポーズでやはり緑色の、透明の布を広げているというのと符合します。まあ、1959年60年に若齢亡くなってますのでその前年の作品なんですが、59年になりますと、まあ、モンゴル人のラマ僧の祈りの姿を描いたり、あるいは1954年55年にかけて新しいモチーフを求めて世界一周旅行に出ていますので、まあ、その成果の、一つでもある、香港で取材をした黒いレンゲといったような、まあ、作品を、発表しています。まあ、今ざっと、若齢の、まあ、日本以外の、まあ、モチーフをご紹介いたしました。時間のこともありますので続けてポール・ジャクレー全木版画集、まあ、カタログレゾネの紹介をしたいと思います。まあ、ここにはジャクレーに関する、まあ、最新研究の結果がいろいろ盛り込まれていますので、カタログレゾネの紹介をしながらそのあたりも重ねてお話をしたいと思います。
先ほど柳下さんがお手元の、ポール・ジャクレー全木版画集を見せてくださいましたけれども、162点の木版画の中で、現実には存在しない人、まあ、人魚をモデルにしたというかモチーフにした作品はこれ1点だけです。でかえってたった1点しかないそのジャクレーの、まあ、全木版画の中ではユニークなものをあえて表紙にするというのが阿部出版の編集者の意図であったように思われます。でこの中ではですねジャクレーの作品はほぼ大判錦絵という、まあ、大きめの版画なんですけれどもそれよりもかなり小さい、まあ、クリスマスカードとして戦後、まあ、駐留米軍の人たちにも大いにもてはやされまた購入されたすり物が、まあ、現在のところ22点分かっておりましてそれを全部収録しました。で中にはですねこの上の2点のように大判錦絵の作品にはなっていないものあるいは現在その大判錦絵としては存在していないと思われるものもあります。そしてまた、ジャクレーの版画は当然日本人の彫り師と摺り師との、まあ、コラボレーションによって成立しているわけですけれども先ほどから言いましたようにかなり多くの、まあ、摺り工程を経て完成していますのでその摺り工程を知っていただくためにまあ、初期の1934年に刊行された二次シリーズというのがあるんですが、まあ、その中のチャモロの女青という、まあ、作品の29枚の順序刷りをすべてページの中に収めました。まあ、ここではほんの一部ですけれども例えばまあこの女性の髪の毛のところが、まあ、この段階ではグレーなんですけれどもここになりますとそこにさらに黒を重ねてしっかりとしたまあ黒い髪がここに現れているといったようなことが順を追って分かるような仕組みになっています。そしてジャクレーのまあ年封は、これまでのまあ展覧会ですとかカタログでも大概短いものであれ長いものであれ掲載されています。で今回はケブランリー美術館で行われたまあカタログをベースにしながら、まあ、その後新たに判明した事項を、とりわけですね戦争中に疎開した、軽井沢での事項などを現地の、まあ、ミュージアムのご協力も得て加えることができました、まあ、それが全面バイリンガル和英バイリンガルになっているということも特色の一つです。それと一番強調したいのは実はジャクレー自身が、まあ、自分の版画作品162点のうちの84点について、まあ、フランス語で解説文を残していたということなんですね。でそのまあフランス語の解説文をもちろん載せまして、さらにまあ英語の英訳文そしてまあ日本語の和訳文も載せて、この作品解説だけはトリリンガルで掲載しています。で、まあ、そのジャクレーの自作解説が判明したことで、ま、分かった一つの例としてご紹介しますけれども、こちらの馬の鈴草という作品は昨年軽井沢の追分塾郷土館で、ま、開催されましたポール・ジャクレー全木版画展のポスターにもなった作品です。でこの自作解説によると実はここの版画で使われている、青そして緑黄色という3色は、色絵磁器、黒谷青手というものに習って、ここで使っているということなんですね。でジャクレー自身もとりわけ、戦後にはですね陶磁器ですとかあるいは漆のものもコレクションしたり愛蔵していましたので、まあ、そうした色彩を日本の色彩をつまり、南洋主題の木版画に生かした作例であるというようなことが分かってきました。以上短いながらもジャクレーの日本国外での活動の軌跡と、最近出版されたレゾネについてご紹介させていただきました。ありがとうございました。
Du coup, aujourd'hui, je vais parler sur la réception des œuvres de Wingi, Hasegawa Nobolo et Paiwu Song. Mais d'abord, je vais parler un peu sur l'ambiance de Paris à cette époque et aussi le panorama des artistes d'Asie de l'Est venus à Paris. Du coup, depuis le 19e siècle, Paris est à la fois un lieu fondateur de la démocratie politique, symbole des droits de l'homme après la Révolution, et une capitale intellectuelle, arbitre du bon goût. Paris était donc une ville idéale pour la liberté et la diversité artistique. Brancusi a dit « En art, il n'y a pas d'étranger ». Est-il vrai pour Paris? L'artiste chinois Wingi, qu'on va évoquer aujourd'hui, a témoigné l'ambiance différente entre New York et Paris. Il a dit « In 1921, still floating from the reception and kindness of Paris, I came to New York. Here the same chance to indifference, I was no longer an artist. I was an Oriental from Chinatown. » Victime de discrimination à New York pendant 5 ans, l'artiste décide de retourner à Paris en 1936. Paris, donc ville bienveillante pour les artistes étrangers, a accueilli un grand nombre d'artistes et de voyageurs, y compris les artistes venus de l'Asie de l'Est. Le nombre exact d'artistes de l'Asie de l'Est venus à Paris pendant les années 1920 et 1930 ne peut être restitué. Pour autant, les artistes japonais sont les plus nombreux. Selon le mémoire de Fujita Tsugaharu, plus de 400 artistes sont venus dans la capitale et au moins 1208 artistes ont exposé au salon parisien. Côté Chine, 109 artistes chinois sont venus. C'est aussi le cas de 6 artistes coréens, y compris Paiwu Song, que nous allons évoquer aujourd'hui. Il faut noter que certains de ces artistes coréens ont d'ailleurs exposé avec les artistes japonais. C'est le cas de Park Nam en 1929 et Paiwu Song en 1938 et 1939. Comme les artistes japonais sont les plus nombreux, ils ont eu par conséquent plus de 60 expositions individuelles dans les galeries parisiennes. De la même manière, les artistes chinois ont bénéficié de quelques expositions. En ce qui concerne les Coréens, je n'ai trouvé à ce jour qu'une exposition pour Paiwu Song. Si vous avez d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à me faire signe. Les 3 artistes dont je souhaite vous parler aujourd'hui possèdent en fait 2 points communs. Premièrement, ces 3 artistes étaient des voyageurs à Paris et au départ n'y étaient pas installés. Wingi s'est installé d'abord aux États-Unis en 1921 et a fait 12 séjours à Paris de 1927 à 1930 et puis en 1936 à 1939. Hasegawa Nobolo a effectué 3 voyages à Paris en Europe, en fait, de 1911 à 1915, 1921 à 1922 et de 1927 à 1928. Concernant Paiwu Song, il est d'abord allé au Japon en 1919, puis à Allemagne dans les années 20 pour étudier la peinture occidentale, et y est resté jusqu'à 1937, avant de séjourner en France jusqu'à 1940, puis de repartir en Corée. Deuxièmement, ils ont tous exposé dans une galerie très connue à Paris. L'artiste chinois Wingi et le japonais Hasegawa Nobolo à la galerie Bernard Jeune et Paiwu Song à la galerie Charpentier. La galerie Bernard Jeune a promu des artistes modernes tels que Cézanne, Renoir, Matisse, Pierre Bonnard ou encore Fernand Léger. La galerie Charpentier a une politique d'exposition assez novatrice. Par exemple, la première exposition de réalité nouvelle y a eu lieu en 1939, organisée par Robert et Sonia Doloni, et pour laquelle Le Corbusier et Sophia Harp, par exemple, ont fait partie des exposants. Il s'agit maintenant de nous pencher plus précisément sur les autres points communs qu'ils partagent, en basant sur leurs œuvres respectives et les critiques françaises. On va d'abord regarder Wingi.
et Yungi lors d'une exposition à la Modern Gallery de San Francisco. Il est distingué par le prince Achille Murat et la princesse Murat, qui l'invitent à se rendre à Paris. Donc, introduit par ses patrons, il fait rapidement la connaissance d'intellectuels français. Et je pense que Yungi semble bien intégré dans les milieux artistiques et littéraires, beaucoup mieux que les autres artistes asiatiques, parce que, par exemple, il réalise une série de portraits tels que ceux des critiques d'art entre André Salmon, l'un des grands défenseurs du cubisme, l'écrivain Pro-Valéry, ou encore des collectionneurs d'art Port-Guillaume. En fait, la majorité de la collection de Port-Guillaume est conservée au musée de l'Orangerie aujourd'hui. Ces portraits sont caractérisés par les façades géométriques et des couleurs vives. Par exemple, André Salmon dit que certains motifs lui faisaient penser à la peinture de Picasso. Il a dit « A little bird which Wing uses to decorate his portraits remind me of the sign which Picasso made. » Je pense qu'il fait référer à la, le petit oiseau dans sa portrait. Yungi a également réalisé un portrait de la femme de l'artiste Pierre Mille, Yvonne Seru, elle-même artiste, au moment où elle était en train de sculpter. Cette sculpture intitulée « Douleur » maintenant est conservée dans un jardin en Belgique. En fait, Yvonne a réalisé un buste de Yungi, révélant la relation amicale de cette dernière avec le couple. Donc, Yungi a eu énormément de succès à Paris. Il a exposé dans des galeries prestigieuses telles que la galerie Bernheim Jeune en 1929, la galerie La Reine Margot en 1938. Un critique français a même comparé Yungi à des artistes japonais. Il a dit qu'il a été déçu par la qualité du salon des artistes japonais, mais il a dit un artiste chinois, Yungi, a su intégrer la tradition à la peinture de style européenne. Et il a évoqué cette peinture de Confucius comme un exemple. Son avis a été partagé par le collectionneur Port-Guillaume. Port-Guillaume écrit dans une lettre qu'il a dit « Mieux que les artistes japonais, ces tableaux nous donnent le sentiment d'un Orient qui cherche son identité exacte. » Si l'on ne sait pas à quels artistes japonais Guillaume fait allusion, nous constatons que les critiques français font une différence d'abord nette entre les artistes chinois et japonais. De plus, ce qu'il apprécie avant tout, c'est la recherche d'une identité perdue. En effet, les sujets de Yungi lorsqu'il habitait à San Francisco étaient loin d'intégrer la tradition chinoise. Alors, pourquoi un changement si rapide après son arrivée à Paris? L'une des raisons est peut-être que l'ambiance de Paris a permis aux artistes étrangers de redécouvrir leur pays. Par ailleurs, le milieu dans lequel Yungi évoluait était fasciné par la culture extrêmement orientale et l'encourager à l'intégrer la culture chinoise dans ses œuvres. L'intérêt de ces personnes pour la culture asiatique se trouve dans les portraits peints par Yungi. Par exemple, ce portrait de la princesse Murat qui est dans un costume chinoise et avec une vase dans le style extrême oriental. Et puis aussi dans le portrait de Pierre Mille en pouvoir en Bouddha, le Bouddha qu'il a collectionné. En outre, il a écrit aussi un poème évoquant la mémoire de son amitié avec Pro-Valéry. Il a dit « The great French, my master, your soul, your voice, love of China, oh, the words, have I ever forgotten you, oh, Pro-Valéry. » Donc, il évoque clairement sa proximité avec l'écrivain français et la fascination de celui-ci par la Chine.
Enfin, les titres des peintures réalisées à Paris montrent son retour à la tradition chinoise, comme Confucius qu'on a vu tout à l'heure, et Laozi et Dream de Zhuangzi. Donc, comme disait son ami Pierre Mille, il a dit, Yunghi a su prendre à la France et l'Italie en ce qui convenait, en restant essentiellement chinois. Il s'est créé un métier nouveau adapté à une vision personnelle. La tentative est neuve, le succès certain. Donc, ses œuvres se situaient dans l'espace intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Et maintenant, on va regarder Pei Ousong. Similaire à Yunghi qui fait la référence à la culture chinoise dans sa création, Pei s'intéressait à peindre la culture coréenne durant son séjour en Europe. En 1923, il commence à travailler sous la direction du professeur Spiegel, qui lui conseillait de conserver son expression traditionnelle coréenne, tout en travaillant en même temps la technique picturale européenne. Cette peinture, peut-être, c'est la plus célèbre de Pei, qui a aussi été exposée récemment dans une galerie en Corée. Donc, cette peinture a été créée entre 1930 et 1933. Tout d'abord, Pei a notamment employé 5 couleurs traditionnelles coréennes appelées obasen, rouge, bleu, jaune, blanc et noir. Et puis dans ses portraits, alors que tout le monde porte, si on regarde, tout le monde porte des chaussures traditionnelles, seulement la personne à l'extrême gauche a des chaussures en cuir de style européen. Si on le compare avec l'autoportrait de l'artiste, on peut déduire que c'est probablement l'artiste lui-même. Si Yunghi est retourné à la tradition chinoise, c'est plus compliqué dans le cas de Pei Ousong, car il a aussi un lien très fort avec le Japon. Il a exposé avec les artistes japonais en 1938 et 1939. En 1938, il a exposé par exemple 2 gravures, le tour du monde et le portrait de le baron Mitsui avec Hasegawa Kiyoshi dans la section gravure. Le tour du monde en pouvoir, donc dans ces gravures, la pyramide d'Égypte, la tour Eiffel au milieu et la grande muraille de Chine. Et concernant le baron Mitsui, lui, il était son patron. Et Pei a même peint des portraits pour son épouse. Pendant son séjour en Europe, la Corée était sous la domination japonaise. En effet, ses expositions ont été soutenues par l'ambassadeur du Japon. Par exemple, on peut voir, c'est en présence de M. Sugimura Yotaro, qui était l'ambassadeur du Japon en France à cette époque. Mais sa signature, par exemple, ça c'est une exposition qu'il a faite à Allemagne, mais à partir de sa signature en hangul, il a écrit « Ousong » en hangul. Donc ça démontre également sa résistance à la colonisation japonaise et son identité coréenne qu'il a voulu valoriser en face du public européen. Donc même pour ses expositions individuelles en France, celui-ci est titré Exposition du peintre coréen et scène de la vie coréenne. Donc, les peintures sont tous sur la scène de la vie coréenne. Nous pouvons nous faire une idée plus précise à partir de ces illustrations faites pour la revue France-Japon. Quelques illustrations sur la scène de la vie coréenne, par exemple, un enfant sur le cheval, les joues d'enfant coréen, le danseur coréen, ou encore les enfants en costume traditionnel qui jouent au cerf-volant. Et le critique français, André Salmon, a dit que ces aquarelles sont d'une couleur
humides où les rayons de lumière semblent être écrasés pour s'iriser, tout ceci nous oblige pourtant à songer au passé de l'artiste. Donc, il continue que il ne semble pas que M. Pai cherche à faire occidental ou oriental. Il retourne aux sources sans effort. Donc, les critiques français sont vraiment fait attention à la source des artistes asiatiques. Donc, il dit encore que ces aquarelles, en fait, c'est la fraîcheur et du calme coréen. Donc, on peut voir aussi que cette aquarelle a été aussi composée principalement en cinq couleurs, ce qu'on a dit, le cinq couleurs coréennes traditionnelles appelées opasen, rouge, bleu, jaune, blanc et noir. Ainsi, donc, les œuvres de Pai servent comme une introduction à la tradition et à la culture coréenne en Europe, car elle a exposé non seulement en Allemagne et en France, mais aussi en Pologne, en Suisse et en Tchèque. À partir de ces 12 exemples, on peut conclure que dès que les artistes retournent aux sources et à leur tradition, leurs œuvres sont normalement bien reçues en France. Maintenant, on va regarder le dernier artiste, c'est le Hasegawa Nobolu. Hasegawa Nobolu a exposé 12 années de suite à la galerie Banam Jeune en 1928 et 1929. L'une de ses œuvres a été achetée par l'État français à cette occasion en 1929. Sa première exposition individuelle a attiré le critique d'art l'attention de le critique d'art André Warneau, qui a critiqué que les artistes japonais, les jeunes peintres japonais apprenaient à pasticher Valaminck, voire Fernand Léger. Mais Hasegawa Nobolu était différent. Il n'est pas tombé dans ses travers. Il a compris que tout de même, le Japon, l'art japonais ne doit pas être tenu en si maigre estime. Donc, effectivement, certains de ces personnages décrivent des filles ou des femmes japonaises. Par exemple, cette peinture miroir dans la main décrit une femme japonaise avec un chignon traditionnel tenant deux miroirs dans les mains. Il semble que Hasegawa ait exposé également les femmes en kimono aux couleurs vives, jouant du shamisen ou balançant leur éventail à l'image de cette peinture. L'année suivante, en 1929, Hasegawa a exposé de nouveau à la galerie Banam Jeune. Cette fois, il a abandonné la série de la femme du japonais pour les femmes parisiennes. Ce qui pourrait aussi voir depuis le catalogue. Donc, la peinture que l'État français a achetée pour 1200 francs, intitulée « Nue », semble à première vue décrire une femme occidentale allongée sur le coussin qui s'inscrit dans la tradition des nus occidentaux. Mais dans l'autre peinture nue de Hasegawa, le coussin est de même motif. Par contre, la femme est une japonaise avec des cheveux courts noirs. Peut-être donc que c'est la même femme ou pas, on ne sait pas exactement. Et le titre « Prostitute et l'oiseau » fait penser à la fameuse Olympia de Manet. La position à l'envers, mais il a des points communs, les pieds croisés, les regards vers les spectateurs. Et Hasegawa a remplacé le chat par l'oiseau. Donc, l'autre critique, dit-il, ça c'est une peinture aussi qu'il a exposé dans la même exposition sur un danseur de l'opéra, Alice Bourga. Et d'après, peut-être c'est d'après cette photo d'Alice. Et donc, le critique d'art Paul Santenac, il a dit « Quelle grâce que Hasegawa ait campé les silhouettes féminines dans cette nouvelle inspiration. » Bien qu'il soit demeuré moins nippon que Deshima, n'a pas oublié cependant, et c'est à son éloge,
toutes les ressources artistiques du Japon. Son amour des shows coloris, la sûreté de son dessin le témoigne, même quand il peint dans la pâte selon la méthode française. Donc, les critiques français appréciaient que les artistes restent japonais. Donc, d'après les analyses de ces trois artistes, on trouve encore un point commun entre eux. Ils sont tous appréciés par le fait d'être essentiellement japonais, chinois, coréen. Soit leurs sujets font référence à leur culture, soit l'utilisation des couleurs, même si tous les trois employaient des techniques européennes dans leurs œuvres. Les artistes étrangers venaient d'apprendre l'art occidental en France, mais paradoxalement, ils ont appris à redécouvrir l'art et la culture de leur pays. Comme disait l'écrivain Rauschenberg, qui lui-même a séjourné à Paris dans les années 1950, qu'on peut emprunter ces mots pour décrire aussi la période des années 1920 et 1930. Il a dit « L'art de chaque nation s'affirmait à Paris ». Et c'est aussi le cas pour nos trois artistes qu'on a évoqués aujourd'hui. Et merci beaucoup